N'oubliez pas de vous abonner sur Afrique Sport. Très fougueux, Jürgen Klopp ne manque pas de dire ce qu'il pense à ses joueurs. Peu importe la situation, un jour, cette franchise a failli provoquer un échange de coups de poing entre l'entraîneur allemand des Reds et son vice-capitaine, Jamie Milner. La révélation est faite par l'ancien joueur de Liverpool, Reinhard Klavan. Des tensions au sein d'un vestiaire, il y en a dans tous les clubs à Liverpool. Un soir de janvier 2017, après un match disputé face à Sunderland, qui s'est soldé par un nul 2-2, Klopp n'a pas pu digérer que son club encaisse un but dans les derniers instants de la partie. En colère, l'entraîneur allemand en est venu au moins avec Jamie Milner avant que ce dernier ne recule, évitant de justesse un échange de coups de poing. Sur BFC ST Podcast, le défenseur estonien Reinhard Klavan, ancien joueur de Liverpool, a raconté les faits. La période avec la plus grande pression était autour de Noël et début janvier. Une fois, je ne me souviens pas contre qui nous avons joué. C'était peut-être contre Sunderland à l'extérieur. Klopp et Jamie Milner ont presque commencé un combat physique. C'était la période où il y avait le Boxing Day en Angleterre et ils ont presque commencé à se battre. Mais finalement, Milner a reculé, a raconté l'ancien défenseur de Liverpool. D'après Klavan, Klopp était prêt à aller jusqu'au bout. Nous avons vu de ses yeux que Klopp serait allé jusqu'au bout juste pour prouver son point de vue. C'était aussi la période la plus stressante pour lui. Il était sous pression, c'était la première et la deuxième année de Klopp a poursuivi l'Estonien. Finalement, Klopp et Milner se sont réconciliés et sont allés chercher les plus prestigieux titres. D'abord la Ligue des Champions en 2019, puis la Premier League en 2020.